Juin 94 débarque dans nos foyers ce que je considère encore aujourd'hui comme la série télé emblématique des années 90, X-Files. Et bah, même si j'étais pas un grand fan, clairement j'ai pas vu la moitié des épisodes, parce que bon, moi la trilogie du samedi soir, c'était entièrement dévoué à Buffy contre les vampires. Bah attends, j'étais membre du fan club moi aussi mec. Bon bah, malgré tout, et parce que ma copine de l'époque, elle, était vraiment fan, j'avais quand même été voir le film au cinéma qui, bah, je dois bien l'avouer aujourd'hui, m'a définitivement convaincu. Ne plus jamais voir de film qui t'intéresse mollement avec une fan folle furieuse. Supportable. Bon, revenons deux ans en arrière. La Fox, pardon. Disney décide de lancer en parallèle de la production du film un jeu vidéo via son studio Fox Interactive, à qui l'on doit bien sûr rien. Que dalle. Non, le studio n'existait que pour servir de passerelle entre la Fox et les développeurs externes éventuels, qui s'occuperaient d'adapter un film, une série, voire une émission télé. Non, Fox Interactive c'était encore moins qu'un éditeur. Mais bon, les gars, pour l'époque, ils avaient des moyens quasi illimités pour leur jeu, ils pouvaient se permettre de faire appel aux développeurs de leurs rêves. Sierra? Non. Westwood? Non. Origin System? Non. Hyperbol Studio. Hyperbol Studio. Ah mais quand on vous dit que la Fox a les moyens de faire appel au meilleur, qu'est-ce que... Attends. Non mais je sais, vous avez raison. Ils ont fait n'importe quoi là. Hyperbol, ils ont fait deux jeux passés totalement inaperçus, Quantum Gate et sa suite. Puis c'est sorti uniquement aux USA. Et effectivement, on pourrait croire qu'Hyperbol était probablement le pire choix possible pour X-Files. Mais si on gratte un peu, bah, il faut savoir pour leurs deux jeux, Hyperbol avait développé un très bon moteur spécifique au contenu interactif, Virtual Cinema qu'ils appelaient ça, parfait pour les univers en FMV, et ça, bah, ça avait tapé dans les deux la Fox, parce que, blague à part, Quantum Gate et Quantum Gate 2, bah, ils étaient plutôt bien fichus, et surtout, bah, c'est exactement le genre que voulait la Fox pour X-Files. Et tiens, preuve que la Fox voulait absolument travailler avec Hyperbol, bah, c'est qu'ils ont dû s'y reprendre à deux fois pour les convaincre. Greg Roach, fondateur du studio, avait refusé de s'occuper du jeu une première fois, ne sachant même pas ce qu'était X-Files. Non mais attends, ça, pour n'importe quel autre éditeur, c'était bye bye, on va voir ailleurs quoi. Non, la Fox en démordra pas, ça sera Hyperbol. Et puis, bah, comme ça, ça permettra à Jason Vanderberg, un papa de For Honor 20 ans plus tard, de faire ses premières armes à la programmation. Niveau réalisation, Greg Roach sera aux manettes, et pareil, la série, on retrouvera Chris Carter au scénario, et Mark Snow à la musique. Alors, on va peut-être s'arrêter deux secondes sur Mark Snow quand même, parce que... Pour le gars, s'il avait été payé à la note pour le jeu, bah, je vous assure qu'il aurait pas eu de quoi s'offrir un kebab. Bon, sérieusement, en dehors des scènes filmées, donc dans le jeu lui-même, on va voir quoi, 2-3 notes de piano toutes les 5 minutes? Dans un jeu où la création d'une ambiance est capitale, les bruits d'environnement manqueront cruellement aussi. Du coup, les phases de recherche qui, bah, par essence même, sont déjà longues et rébarbatives, vont juste devenir injouables sans aucune trame sonore. Non, et puis en général, moi, c'est ce qui me faisait stopper le jeu, Et puis, bon, on finit par se mettre une petite playlist en fond, et ça passe. Tout au long du jeu, on va incarner Craig Wilmore, agent spécial à Seattle, à qui l'on confiera la mission de retrouver les agents Mulder et Scully, mystérieusement disparus depuis plusieurs jours, et voilà. Voilà le principal reproche qu'on a fait au jeu. Non seulement on jouera pas avec nos deux héros, mais en plus, on les verra quasiment pas. Dans la cinématique d'intro, puis dans le dernier quart du jeu seulement. Bon, là, vraiment, ils vont faire partie intégrante du gameplay. Mais bon, vous doutez bien que bon, s'ils avaient pu, Hyperbol aurait préféré utiliser les deux acteurs au maximum pour leur jeu. Non, en fait, comme dit plus tôt, la Fox avait lancé la production du film en même temps que la production du jeu. Bah, du coup, pour les scènes filmées, bah, il a fallu jongler entre les deux, et bon, évidemment, le film était largement prioritaire, c'est normal. Alors, par contre, et heureusement, on va jouer une bonne partie du jeu en compagnie d'un autre personnage iconique de la série, le principal Skinner. Attends. Et ça sera une belle branche à laquelle se raccrocher pour les fans de la série, parce que bah, sans ça, le jeu aurait pas eu grand chose à voir avec la série, surtout pour un FMV quoi. Alors, chez la Fox, on a peut-être pas le sens du timing, mais on sait faire de jolies boîtes. Non mais attends, là, Florent, on est dans les abîmes de la transition, là. Qu'est-ce que c'est... Eh oui, parce que le packaging du jeu, la Big Box, finalement, va faire l'objet d'un design particulièrement soigné. En effet, au-delà des petits trous en forme de X dans la face avant de la boîte et qui permettaient de laisser passer l'illustration arrière de toute beauté, pour accueillir les 7, vous m'avez entendu, les 7 CD du jeu, à la place d'un simple boîtier cristal classique, ils vont judicieusement concevoir un coffret reprenant les traits d'un classeur de rangement FBI, où chaque CD va représenter un dossier avec sa couleur distincte. Voyez ce qu'on a perdu avec la disparition des Big Box et plus globalement de celles programmées des supports physiques. Vous le savez sûrement, en 2016 a eu lieu le reboot de la série, bon, avec plus ou moins de réussite. Et bon, bah ça, visiblement, ça a donné des idées à certains. Fin 2017, Chris Carter lui-même avait rapidement, entre deux interviews, annoncé le développement d'un tout nouveau jeu adapté de la série. Bon, sans donner trop d'infos, qu'il n'avait pas de toute façon, excepté qu'il s'agirait d'un jeu narratif, probablement à épisode. Bon, rien qu'avec ça, dans la forêt des développeurs, il reste plus beaucoup d'arbres déjà. Mais bah, plus d'un an après cette petite info croustillante, bah, plus aucune nouvelle. Rien.
Et bah on n'en entendra plus jamais parler finalement. Vous la sentez cette petite odeur du studio là, qui a mis la clé sous la porte fin 2018 sans avoir eu le temps de lancer le développement ? No, 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 no.